On va vous étonner avec ce pain de mie et surtout la méga surprise lors de son découpage. En plus, ce résultat est réalisé juste avec une seule pâte et c'est incroyablement facile. Pour la pâte, on mélange la farine et les autres ingrédients. On pétrit jusqu'à ce que la pâte soit souple. On prélève 320 g de pâte et on la garde dans un saladier qu'on couvre d'un torchon. Avec le reste de la pâte, on ajoute les 10 g de cacao et 10 g de lait et on pétrit jusqu'à ce que la pâte obtienne une couleur de chocolat clair. On prélève 205 g de cette pâte et on la garde dans un saladier qu'on couvre d'un torchon. Avec le reste de la pâte, on ajoute les 12 g de cacao et 10 g de lait. On pétrit jusqu'à ce que la pâte obtienne une couleur de chocolat foncé et on couvre d'un torchon. On laisse les trois pâtes lever pendant 1h30. Je dégaze les trois pâtes. Puis je divise chacune en 7 parts égales, puis je les boule. Thank you.
À l'aide d'un rouleau à pâtisserie, on étale une boule de chocolat clair en ovale. Puis on le roule en boudin. On étale la boule de chocolat foncé en ovale. Puis on dépose le boudin de chocolat clair au milieu et on roule le tout. On étale la boule de pâte blanche en ovale assez grand. Puis on dépose le boudin au chocolat au milieu et on roule afin d'obtenir un dernier boudin de 3 couches. Refaites la même opération avec les autres boules restantes. Lorsque vous obtenez 7 boudins définitifs, roulez-les l'un après l'autre afin d'obtenir des longs boudins qui feront le double de la longueur de votre moule à cake. Découpez chaque long boudin en deux avec un couteau. Beurrez un moule à cake puis déposez dedans 4 boudins l'un à côté de l'autre, puis 4 autres dessus et ainsi de suite jusqu'à rupture des boudins. Couvrez d'un torchon et si vous avez un moule à pain de mie, couvrez avec le couvercle du moule. Puis laissez lever le pain léopard pendant 40 minutes. Démoulez le pain de mie et admirez-moi cette merveille. Bon appétit !